burning desire is here to protect me. Sonic Jets keep around like Dizzy Gillespie. Je m'appelle Pietro, comme d'hab. Et voilà, aujourd'hui, je me suis connecté ici sur ma chaîne Twitch Live. J'ai pratiquement passé une musique, que c'est vraiment pour moi de la musique. Ce sont des personnes que je connais, un très cher ami de Londres. Je crois qu'il est à Manchester. Il est prof, mais on ne dirait pas. Il m'a dit, tu vas écouter bientôt un EP que je vais faire. Je ne m'attendais pas à une chose pareille. Et le groupe, en fait, il s'appelle Udon Valise Collective, UVC. Déjà un travail technique magistral pour moi. Après, voilà, j'ai voulu le passer et je pense que ça ne sera pas la première fois que je le passerai. Je vous invite vraiment à le voir. Là, je l'écoute sur Spotify, mais vous pouvez le voir sur toutes les plateformes. C'est Udon Valise Collective, UVC, Instrumental Variable. C'est beau. Volume numéro 1, vraiment, je vous conseille d'aller écouter. Alors, voyons s'il y a des questions. Ciao, Pisque. Comme on avait fait hier, par exemple, on met des groupes. Donc, je peux aller voir une application. Maintenant, on va mettre quelque chose de plus méchant. Je voudrais être un peu dans le mood sidechain. Voilà. Allons-y voir qu'est-ce qu'il y a. C'est lui-là. On va essayer. C'est joli cette note. C'est particulier. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On y va. Thank you.
par l'intérieur. On va lui dire de mettre en sidechain parce que voilà, il est un peu bizarre. Voilà, tu as l'impression d'être bizarre. Je vais ajouter sur ce sound donc un sidechain. Donc je vais mettre un solid boost comme d'hab. Je vais mettre sur le son numéro 1 et je vais activer le sidechain. On va le traiter même un peu. Avec un écu pour lui enlever un peu de basse. Voilà. Et celui-là aussi, on va le mettre en sidechain. Je parle du charlet en fait. Voilà. En attendant, je remonte un peu la voix, ma voix. Je pense que vous avez un peu plus besoin de volume, voilà. Le machine, je vais le baisser un peu. Voilà. Nickel. On va continuer. On va le baisser justement le volume. Ciao Judas Blood. Voilà. Nickel. Maintenant, nous avons besoin, j'ai remarqué que dans le groupe, il manque quelque chose. Donc, on va mettre un autre groupe où il y a des absurdités. Alors, voyons un peu. On va utiliser maintenant deux groupes différents. On va les mettre, on va les faire matcher dans le même arrangement. Qu'est-ce qu'on a là? Non, non, ça va pas. Il me faut quelque chose. Vous savez quoi? Je peux garder ces groupes, mais changer quelque chose. Par exemple, celui-là, on n'en a pas besoin. Il se trouve à l'instant dans le sound. C'est le numéro 12 en fait. On n'en a pas besoin, c'est quelque chose d'aberrant peut-être. Donc on va le changer avec un instrument virtuel. Pourquoi pas? Dans la librairie ici, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Par exemple, Massive X. Massive X sous le son numéro 12, sound numéro 12. Ça a la gueule comme on dit. Donc on va voir si on a quelque chose, des mallettes par exemple. Thank you.
Celui-là, on essaye. On va mettre un arpège. Le mettre en sidechain, mais pas le son, le groupe entier. Comme ça, tous les sons que j'ai à mettre, ils seront sidechain. On y va. Je vais mettre à voir si je peux. Ok, on continue à aller. Petite astuce. Je voudrais créer des variations, mais pas des variations dans le son comme le système variation ici, dans l'outil variation. Je voudrais créer vraiment des fils, des choses inattendues. La chose que je voudrais faire là, c'est de mettre un effet qu'on utilise normalement en live. On utilise pour faire une performance. C'est pour ça qu'il s'appelle Perform FX. Ce sont des effets qu'on peut affecter que à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que si on se place sur Sound, on ne peut pas mettre des Perform FX. On peut le mettre qu'au niveau groupe. Clairement, la chose que je viens de dire, elle n'est pas totalement juste. Dans le sens que je peux affecter seulement un Perform FX dans le rack des groupes, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas lui passer qu'un simple son. C'est-à-dire que moi, si je fais un groupe 3 par exemple, et je veux faire aller seulement la batterie dans le groupe C1 pour que le Perform FX il marche, donc laisser tomber les autres que je ne veux pas qu'ils soient affectés par cet effet bizarre. Hein. Je préfère en fait travailler comme ça. Je fais le groupe C1 ici. Je vais ajouter un Perform FX ici. Il devrait y être quelque part. Perform FX. Ici, on dit que plutôt que le filter, on va mettre le starter. Ça crée des répétitions en fait. Comme un vinyle cassé. Et je vais dire, je retourne au groupe, en fait, ce groupe qui sonne pratiquement. Et je vais lui dire que la grosse caisse, maintenant je vais utiliser toujours le carré des Bermudes pour allier ça. Je me place sur son parce que je veux que ce soit que les sons qui soient affectés. Je vais sur les réglages, donc C1. Je vais dans l'output. Là par exemple, ils disent que l'audio, donc la destination de l'envoi de ce son, il est dans le groupe même où il se trouve. Eh bien non, moi je vais lui dire que ça va l'être dans le groupe C1. C'est très bizarre ce que je suis en train de faire, mais ça marche. Aussi le snare, toujours le groupe C1. Et je vais mettre aussi ça dans le groupe C1. Celui-là, je laisse tranquille. Comme ça, il donne toujours le toc. Maintenant, la chose que vous allez voir, c'est sur mon machine jam. Alors, sur le machine jam, donc, moi, ici, j'ai une touche qui dit Perform FX. Là, je me mets en Perform FX. Maintenant, nous, on a seulement mis un Perform FX sur le groupe C1, ici. Et donc, l'indicateur du fader, il est seulement là. Et maintenant, vous allez voir qu'est-ce que c'est le Perform FX. Moi, maintenant, je me mets en play.
très glauque en musique. C'est le cavern floor qui donne ça. Hop, maintenant. Vous avez vu? Voilà. Pratiquement, je mets un doigt, par exemple. Si je vais en arrière, ça fait même en reverse. Je monte, et voilà. Le perform FX, il peut être mis seulement sur un groupe, mais moi, j'ai mis que 3 sons d'un groupe là-dedans. Et les autres effets, ils ne sont pas affectés. Donc, à l'instant, moi, je vais ajouter un perform FX au groupe A. Non, même pas. Sur le groupe B, pardon. Parce que c'est plus intéressant. Je vais donc éditer sur Machine Jam le perform FX. Maintenant, vous allez voir que, vu que la Machine Jam n'a pas les 12 écrans comme la machine MK3, par exemple, Machine Studio, le perform FX me l'affiche sur le logiciel, donc sur l'écran de l'ordi. Et là, vous allez voir, effectivement, qu'il y a quelque chose. Maintenant, je le remets, pardon. Voilà. Il n'y a qu'un paramètre, parce qu'elle ne me permet que de choisir le paramètre. Les réglages, c'est après sur le logiciel ou sur la machine MK3. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, le filtre. Oui, le filtre, ça me va. Voilà, je l'accepte. Donc, maintenant, j'ai aussi une autre lumière qui marche sur la jam. Maintenant, je vous montre aussi la jam plus proche, voilà. La chose intéressante de la perform FX, ce sont des effets très propres. Pourquoi? Parce qu'ils vont être engagés seulement si on appuie dessus. Si on enlève le doigt du fader, il va se déengager. Il y a aussi la possibilité pour le tenir toujours engagé. Par exemple, je vous montre là, il y a ici ce switch qu'on peut mettre engage fixe ou sinon on n'engage pas. Mais si je tape, voilà, j'enlève la souris, si je tape sur la jam, il s'engage tout seul et il s'enlève. Il s'engage et s'enlève. Ça en fait, c'est magnifique parce qu'elle permet, moi je vous dis, quand on met un effet, quand on met un plugin, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le son, même si l'effet il est mis tout au minimum. Oh, il est complètement enlevé. Et ça arrive quand on met des filtres, on veut utiliser l'automation, donc on dit on tient le cutoff tout au max, après on fait de l'automation. Mais en réalité, le filtre, il a déjà affecté quelque chose dans le son. C'est un peu différent. Alors que le perform FX, il me met la tranquillité sur moi en fait. Il me dit, voilà, ne t'inquiète pas. C'est comme si on a mis vraiment power off si tu n'as pas le doigt là-dessus. Pour moi, ça c'est génial. Maintenant, j'ai mis un filtre. C'est-à-dire que si maintenant moi je me mets en solo le groupe B et je mets play, le perform FX maintenant, et je mets le machine jam. Le perform FX, il va faire une descente de filtre. Voilà. Voilà. Nickel. Si je mets en solo le groupe C, pratiquement. Je peux augmenter. Alors, très important, si j'avais une machine MK3 là, la machine MK3 elle a seulement un fader, je pense qu'il s'appelle le touch strip, il a un seul touch strip. Donc, moi sur machine MK3, malgré la puissance en fait de possibilités de ce contrôleur, si je veux gérer deux performances fixes en même temps, donc avec deux doigts, je ne peux pas parce que je dois sélectionner le groupe et le touch strip prendra le réglage affecté à ce groupe. Alors que sous machine jam, moi j'en ai 8. C'est-à-dire que moi je peux jouer de filtre là et faire un starter sur la batterie. Donc on va essayer. Regardez bien. Premier doigt. Et maintenant, je vais mettre.
Ça, c'est possible grâce au fait que le perform est fixe. Il dispose de 8 touch strips sur Machine Jam. C'est pour ça que Machine Jam, imaginez, elle est sortie bien avant la révolution de l'MK3 et pourtant elle servait à quelque chose. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore fait une Machine Jam MK2 parce qu'elle ne suit pas, en fait. Elle est née au même temps que la série MK2 des contrôleurs machines, mais en même temps, voilà, donc elle est avec un MK de moins des autres. Mais quand ils vont faire la Machine Jam MK2, j'imagine pas qu'est-ce qui va se passer. Au départ, j'avais très peur. Les carrés de la machine MK1, MK2, ou la machine micro, ils me faisaient déjà un peu peur, mais ils étaient 16, ils étaient tous carrés. On voyait de l'ordre en quelque chose. Quand j'ai vu la pub de la machine Jam, c'était plus ou moins la même période dont j'avais acheté la machine micro. Quand j'ai vu la Jam, j'ai dit hors de question que je vais l'acheter. Parce que ça me faisait peur ce truc infernal, cette énorme multitude de touches colorées. Là, il y a quelque chose, à mon avis, c'est comme on dit, un hybride de toucher de clavier. Effectivement, c'est vrai, parce que si moi je me mets au mode keyboard là, ça devient un clavier. Il y en a quelqu'un qui pouvait se dire, mais moi j'aime bien le clavier traditionnel, pourquoi ça? Et heureusement, en plus que ces touches blanches, en fait, ils me disent où sont les octaves. Voilà. Jusqu'au moment que j'ai découvert que Machine Jam, c'était ça, en fait. Voilà. Les deux patterns. En fait, c'était juste à voir par colonne, par groupe. Et quand j'ai découvert ça, directement, je suis allé l'acheter. C'est pour ça que, voilà, on peut très bien y travailler sur ça. Alors, si vous voulez que je continue sur ce style, mais je pense qu'on va changer un peu. Je vais faire un nouvel arrangement parce que c'est vraiment très obscur. Voilà, on en commence avec un nouveau. On met un nouveau groupe. Et on trouve quelque chose de beaucoup plus aéré. En plus, je n'utilise pas très souvent les expansions, sauf si je veux trouver des batteries déjà produites. Donc, voyons ça. On essaye ça. Voyez qu'est-ce qu'on a. Alors, ça, vous allez voir une chose. Vous voyez ça? Regardez comme il est long ce sample. En réalité, il est secté pas en one shot. C'est-à-dire que moi, je ne touche pas une fois et que je dois attendre que le sample finisse sa course. En fait, ça dépend de la pression de mon doigt. Tant que je tiens appuyé sur le pad, le sample, il va. Et quand je lève le doigt, le sample, il s'arrête. C'est-à-dire que moi, je m'arrête. On dit un jeu d'enfant. Donc, ça nous permet aussi de faire pratiquement. Des choses comme ça, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. On peut par exemple augmenter la vitesse, on va sous 130. Voyez qu'est-ce que ça donne. On va faire de la trance. 1, 2, 3, 4. Pendant que j'enregistre, je fais des bruits avec la bouche parce que je m'imagine toute une batterie, tout un arrangement. Ça m'aide aussi à aller à temps avec le métronome. Donc, j'enregistre ça. On enregistre ça. Voilà, c'est fait. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. On peut faire ça. On y va. Et ça l'est toujours. Ça, c'est pas moi qui a fait ce son, c'était une alarme. D'or.
On va aussi fermer là, c'est peut-être mieux. C'est bizarre, c'est... on va le mettre. 1, 2, 3, 4. J'enlève le métronome. Alors là, on est dans, un peu speedé là. Donc, on va voir s'il y a une basse. Voilà. J'ai utilisé ce clavier et j'ai fait ça simplement. J'ai fait ça. Parce que j'ai mis l'arpégiateur ici et ça marchait. Donc, c'est, on dirait vraiment de la musique techno. Et là, je peux aller voir sur ces samples s'il y a quelque chose. Bend, note, paramètres. On va mettre un filtre. Oh, sinon, c'est pas grave, on va le faire sur le. Donc, on va créer un autre groupe, on va lui mettre un perform FX et je vais faire une descente de filtre. Donc, je me mets sur sound. Non, je me mets sur groupe, pardon. La prise, donc carré des Bermudes. N'oubliez jamais d'apprendre à maîtriser ce carré. Voilà, 17 Beyoncé, ciao. Ça fait boîte de nuit. Là, je suis un peu plus dans mon domaine. Je mets un perform FX. Je décide que ça doit être un filtre. Il est déjà mis, donc c'est OK. Et je vais dire sur le groupe A1 que ce bass magnifique, moi j'aime bien ce bass. Il va être pratiquement dans le carré des Bermudes au niveau son cette fois. Et réglage, donc C1, oh mon dieu, output à la place de le groupe, il va aller dans le groupe B1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Que moi, si je me mets ici sur la machine jam, on performe FX, là, hop, il y a un seul touch strip actif, donc je commence. Est-ce qu'il y a un crash? Oh, ça, vous allez le voir très souvent. On ne met pas des crashs dans les groupes parfois. Il y en a parfois, mais parfois il n'y en a pas. Donc, allons-y voir dans le groupe. Voyons qu'est-ce qu'il y a. Non, ça, il nous faut. Celui-là, oui. Celui-là, peut-être. On dit les mêmes. Un des deux. On va mettre là le crash. Donc, ça, je vais chercher un crash. Parce que je ne veux plus ça. Je me mets en all là. Je vais dans la bibliothèque et je vais chercher entre les sons. Et j'écris crash. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis... vous voyez qu'il y a seulement un crash qui va... Que ce n'est même pas très mal. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a Chromatic Fire. Donc, il ne me cherche que dans Chromatic Fire. Donc moi, je vais enlever ça. Il va me chercher dans tous les sons. Et voilà, là, il y en a plein de crèches. On dirait, c'est bizarre ça. On va le mettre. Maintenant, ici.
Je l'ai. Si vous allez remarquer, je l'ai tenu. Et ça continue. Par contre, si j'ai un autre crash là. Voilà, celui-là. On va mettre celui-là. Et c'est fait. Donc. Et j'enregistre. Ah! Maintenant, je vais vous expliquer, mais je l'enregistre quand même. Il était mieux l'autre. On va le mettre. Je préfère l'autre. Et je l'ai mis maintenant. C'est plus joli. Malgré, on voulait le stopper. Mais c'est bien. Mais vous avez vu c'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est que j'ai fait un pattern de 4 mesures. Et il vient trop tôt le crash. La chose que je pourrais faire, c'est de doubler la longueur de ce pattern. Pour doubler la longueur de ce pattern et pour permettre aussi que tout ce que j'ai fait continue à jouer, donc vraiment longuer là, pas seulement le pattern, mais les notes qui sont écrites. Il y a une simple touche sur une machine que nous allons trouver en fait, par exemple ici sur le jam. Et elle est très 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 facile aussi sur le MK3. Voilà pourquoi le MK3 c'est un upgrade d'intelligence pour pouvoir arriver plus facilement aux fonctions. Il fallait que je tape sur Shift et que j'aille sur Duplicate ici. On ne lit pas, désolé, mais moi je le lis. Et si je tiens sur Shift, ça me double le pattern. Je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer sur le contrôleur ici. Vous voyez ici, par exemple, voilà, je me mets là. Donc moi je tape sur Shift, Double. Et ça m'a doublé complètement le tout. Par contre, moi ici, j'en veux pas du crash. Donc, je vais l'effacer la deuxième fois qu'il va se présenter. Comme ça, j'ai le crash beaucoup plus tard. Et c'est ce que je voudrais en fait. Je vous montre le résultat. On a toujours de travailler avec le Performer Fix parce que j'aime bien. Il n'y a pas de crash. C'est mieux. Et je ferme. Et voilà. Oui, c'est vrai que la M14 c'est la meilleure, mais en même temps, tu as vu les performances fixes. C'est mieux sur Jam, justement. Alors, oui, parce que moi j'adore les questions de cette ambiance. C'est beau que la vraie question n'est pas dans la question. Elle est dans une hypothèse que tu as fait. En fait, tu dis que finalement, justement, la Jam, c'est le meilleur moyen de gérer l'automation de la MK3. Alors, moi, je me dis, la MK3, si on va voir, par exemple, écoutez, moi, je vais chercher une image pour avoir une MK3 en vue. Je vais télécharger une image, je vais voir. Donc, machine, MK3. On donne vraiment une réponse comme il faut à 17 Beyond. Que ce n'est pas vraiment une réponse. On va réfléchir ensemble, moi et toi. Voilà, fait. Alors, là, vous allez voir la MK3. C'est une façon un peu, voilà, pour imaginer que j'ai une MK3, mais on ne voit pas les mains. Alors, tout à l'heure, 17 Beyond, tu as dit pratiquement que c'est le meilleur moyen de gérer l'automation de la MK3. Alors, la Jam, elle a des touch strips de façon virtuelle, par exemple, de façon numérique. C'est-à-dire que moi, maintenant, je me place sur la Jam. Et comme tu vois justement, ce ne sont pas des vrais faders. Ce sont des faders, voilà, touch strip. Moi, je trouve, c'est un avis à moi, ils ne sont pas complètement précis. C'est joli pour faire des performances fixes. Mais si je dois, par exemple, régler le volume d'une envoi, ou gérer une automation depuis le départ, j'ai peur que en fait, le toucher de ce touch strip, il va me créer un saut dans le réglage des vraies valeurs du paramètre. Alors que la machine MK3, donc je remontre la machine MK3 là, elle a autre chose pour gérer les automations. Ce sont les knobs. Ils sont les mêmes que j'ai par exemple ici sous la M32. Sauf que la machine MK3, elle a les knobs aussi avec un écran qui dit à quoi il s'agit. Ici, je dois toucher chaque fois pour aller voir effectivement de quel paramètre il s'agit. Ces knobs, moi je les trouve vraiment précis. Voilà, le strip est moins précis que le knob, justement.
Machine MK3, j'ai remarqué que le knob, c'est vraiment, mais si on veut faire une automation, on dirait vraiment un luthier qui l'a fait. Et c'est vraiment d'expérience personnelle. Donc je trouve que Machine MK3, pour les automations, c'est peut-être mieux. Alors que la machine Jam, c'est bien pour le live, pour des choses d'attaque. Effectivement, elle a un touch strip par groupe, mais quand il s'agit de faire des macros ou des automations, justement, c'est vrai qu'on a la possibilité d'en faire 8 en même temps. Mais les knobs, si on les compte, ils sont 8. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Je me demande une chose. Mais dommage que je peux pas l'essayer. Parce que je crois que les macros ne marchent pas sur l'M32. Clara, toi qui es un MK3, tu pourrais essayer s'il te plaît à ma place. Je me demandais si le knob virtuel d'une perform FX ici, est-ce que c'est possible de le mettre en macro? Essayons. Macro. Non, c'était ici, le perform FX. La fréquence. Ouais. Je pense que c'est la fréquence. On va voir. Justement, alors, voyons si c'est possible de le faire marcher. Donc, je vais sur les macros. Alors, allons-y voir. Alors. Engage, donc fréquence. Voilà. Et donc, ici, je vais mettre perform FX du Lightspeed Kit. Voilà, perform FX, donc main et length. Voilà. Moi, maintenant, je vais retourner là et je fais engager. Maintenant, on va faire une expérience 17 Bionz. On va voir si on peut affecter des perform FX au knob. Très bizarre. Voilà. Imaginez d'avoir une MK3 avec les knobs. En plus, je peux faire ça. Learn. Je me mets en mode MIDI. C'est-à-dire que maintenant moi, j'ai... Alors, le problème que j'ai remarqué, effectivement... Voilà. Donc, moi, pratiquement... Regarde, j'ai réussi pratiquement à utiliser sur deux knobs. Imaginons que c'était ma machine MK3, mais en réalité c'était les knobs du contrôle M32, mais je l'ai mis en mode MIDI pour faire semblant. Voilà, c'est pas vraiment le vrai système. J'ai réussi à avoir deux performances FX, mais j'ai une mauvaise nouvelle à donner. J'ai un problème avec la fonction Engage ici. Alors que le Touch Strip il me permet de l'engager et de le déengager avec la simple pression, comme tu vois. Si je tape sur la machine JAMAO, effectivement, on voit par contre sur le software où il y a ma souris que j'engage et je désengage. On dirait wipe out, engage, disengage it. J'ai la possibilité donc d'activer l'effet et de l'utiliser. Par contre, le knob il ne le permet pas. Au moins, que je fasse un autre knob avec Learn ici, par exemple. Voilà. Le troisième knob, je vais l'engager. On déengageait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre play. Et maintenant, je ne touche plus la jam.
Maintenant, avec le troisième knob, je vais libérer la batterie du Perform FX. Voilà. Et donc, maintenant, clairement, j'ai toujours le... Je vais essayer de le faire encore plus précis parce que c'est bizarre avec un knob. On y va? Voilà, j'ai réussi. Alors ça, ça s'appelle du bricolage, ça s'appelle même du geekisme, moi je trouve. C'est vraiment pas la juste façon. C'est vrai qu'on peut le faire. C'est vrai qu'à la fin, si on s'amuse un dance floor et on n'a pas la MK3, d'accord, on le fait. C'est justement le moyen. Mais avoir une MK3, c'est mieux sur certaines choses. Et avoir ce colosse du live comme Machine Jam, c'est franchement le max possible. c'est vraiment un Perform FX fait maison. Imaginez si un jour vous êtes sans contrôleur, mais vous avez un ordinateur avec machine. Par exemple, là, je me suis rendu compte qu'il fallait se mettre en MIDI mode. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, je retourne en mode, voilà, complete control. Mais de toute façon, on a fait. On va mettre une absurdité. Alors, close. On va écouter les previews parce que j'ai pas une idée de son que je veux mettre. Aujourd'hui, c'était vraiment à l'improviste. Ça m'inspire ce son. Qu'est-ce que c'est? Oups, j'avais le clavier éteint. on l'a jamais utilisé celui-là. On dirait Underworld, c'est incroyable. Introduire une chose nouvelle des machines qu'elle vient depuis la version 2.10 parce que la version 3 elle n'est pas encore sortie. Ils disent que c'est une chose incroyable. Nous avons à voir quelque chose de très semblable à Bleton Live, même à la liberté des loops, la liberté des automations. Ils disent on peut même faire des voix dessus, mais en même temps on est à la version 2.10 et c'est passé une chose particulière. Ça s'appelle Auto-Growing Pattern. Moi, j'ai fait même une vidéo démonstrative sur YouTube. Je vous explique ce que c'est. Avant, sur machine, on avait des obligations. C'est-à-dire, obligation, définir d'abord la longueur d'un pattern. Si elle n'est pas définie, c'est la longueur prévue dans les préférences. Par exemple, on peut dire, quand tu crées un pattern, il doit être déjà de 2 mesures seulement, ou sinon déjà de 4 mesures. Clairement, une fois qu'on l'avait fait, on pouvait l'allonger, ce pattern, le restreindre, mais aussi doubler ce qu'il y avait dedans, ce qu'on avait joué. Mais on ne pouvait pas définir le start. Cioè, supposons, si moi je fais une phrase deux fois, j'enregistre, et la première phrase, elle n'est pas très bien sortie, l'autre si. Moi, pratiquement, je pourrais prendre le... Je vous montre avec un pattern ici, voilà. Je vais prendre le départ ici, et voilà. Et l'aller mettre, par exemple, sur le 3. Mais avant, ce n'était pas possible. Maintenant, ça l'est possible. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé là? Maintenant, il y a un nouveau système. Quand j'écris un pattern, ici, il écrit le start. Avant, il n'y avait pas ces paramètres. Donc maintenant, on peut définir le start d'un pattern. Maintenant, à la place d'écrire 4 mesures, par exemple 4.0.0, il écrit auto. C'est-à-dire que nous pouvons faire un pattern. Le pattern, il se laisse enregistrer. On n'a pas dit quand on va s'arrêter. Mais quand on met stop, on enlève le rec, le pattern il va dire ok, il a fait une moitié mesure de trop, donc je vais remettre à la fin où il a joué et j'ai compris, il va comprendre où on a fini de jouer et où on doit recommencer.
Maintenant, je vous explique parce que maintenant, je vais faire une progression dont je ne sais pas bien où je vais finir. Donc, je vais faire un pattern un peu plus long du normal. Donc, je commencerai, par exemple, voilà. Quand j'irai mettre REC, je vais jouer. Pratiquement maintenant, j'ai décidé de faire un pattern effectivement de 16 mesures. Donc c'est intéressant. Je vais mettre un performer fixe en filtre. Pourquoi pas mettre un petit sidechain pour le faire aller. Voilà. Je suis pas obligé de mettre un sidechain sur le boost comp parce que je vais le rendre un peu libre. Donc je vais mettre un one knob pumper. C'est un effet de chez Waves. Il s'appelle one knob pumper. J'en avais déjà parlé dans le premier rendez-vous, je crois. Je m'en sérieux. Celui-là en fait, c'est un sidechain automatique qui ne se réfère pas, il ne va pas faire référence au son qu'on lui dit en fait, qu'on lui indique. Il va faire la référence au BPM du projet, c'est-à-dire BPM 130. Si lui il a la division 1/4, ça fait comme ça. Si on met la division 1/2, il fait voilà. Alors, je vous montre effectivement qu'il peut marcher. Voilà, ça c'est les pulsations du one knob. Il va nous dire en fait quand il s'allume, quand il va le monter. Et effectivement. Et là, c'est l'intensité. On peut le faire vraiment. C'est une façon de travailler. C'est une façon de faire même de la scène parfois. Ciao!